girl, you should wear a name tag. Ni vicious perceptive. Girl, you should wear a name tag. Coucou les filles, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sarah, donc bienvenue aussi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer les 5 coiffures que vous venez de voir. Elles sont super simples à réaliser et je pense qu'elles sont vraiment très bien pour les porter au quotidien du lundi au vendredi. Et on peut les faire aussi bien pour aller en cours que pour aller au travail selon la tenue que l'on porte. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. À partir de la fin de l'arrêt, on la continue vers le centre de la tête. On sépare les cheveux et on attache le côté que l'on ne va pas travailler pour l'instant. De l'autre côté, on prend 3 mèches et on commence à tresser en commençant par le centre et on va de l'intérieur à l'extérieur pour avoir une tresse inversée. Pour réussir l'effet racine, à chaque fois que l'on tresse une mèche, on ajoute des cheveux des juste à côté. On continue le procédé jusqu'à arriver à la nuque. Et on tresse un petit peu de plus pour pouvoir faire la queue de cheval après. On attache la tresse avec un petit élastique. On ouvre la tresse vers les côtés pour qu'elle ait plus de volume, comme ça c'est plus joli. Et on fait exactement pareil avec l'autre côté. Quand on a les deux tresses, on les met ensemble dans une queue de cheval. On enlève les élastiques des tresses. On enroule une mèche autour de l'élastique pour le cacher. Et si on n'arrive pas à le coincer dans l'élastique même, on peut mettre un autre par-dessus en faisant attention qu'il ne se voit pas trop. Et voilà la coiffure finie pour le lundi. On démêle les cheveux et on les amène vers l'arrière pour faire une queue de cheval. La partie des devants, je viens la ranger avec le peigne pour qu'elle soit bien nette. On attache les cheveux avec deux élastiques petits pour qu'elle soit bien tenue. On serre un petit peu, on sépare la queue de cheval en deux et on passe chaque partie vers l'autre côté pour faire une espèce de torsade. Quand on n'a plus que les pointes, on ouvre un peu la torsade pour qu'elle ait plus de volume. On l'enroule sur le sommet de la tête en laissant les pointes sorties. On attache le chignon en cachant les pointes. On l'amène vers le devant pour qu'il n'ait pas trop de volume et on l'attache avec une barrette. On tire vers les côtés pour que la base ait plus de volume que le reste. Et voilà la coiffure finie. On amène les cheveux de la partie du sommet de la tête vers l'arrière avec un peigne. On va les travailler en 4 parties. On sépare une mèche par la droite, on la passe en l'amenant vers la gauche, en dessous de celle qui est à côté, par-dessus la suivante et en dessous de la dernière. On refait pareil. On passe la mèche qui est le plus à droite en dessous de la mèche à côté, par-dessus la suivante et en dessous la dernière. On dirait que c'est difficile mais c'est assez simple. Le secret est de bien tenir les mèches, surtout au début, pour que la tresse ne se défasse pas. On répète le procédé jusqu'à avoir tressé tous les cheveux. On ouvre un peu la tresse vers les côtés pour qu'elle ait plus de volume, comme ça c'est plus joli. On attache la fin avec un petit élastique. Et voilà notre tresse toute prête. Avec l'arrêt sur le côté, on prend 3 mèches de la partie avec le moins de cheveux. On va faire une tresse racine inversée comme celle de la coiffure du lundi. On tresse les mèches de l'intérieur vers l'extérieur en ajoutant une mèche de juste à côté à chaque fois. On amène la tresse petit à petit vers les centres de la tête. Et une fois là, on continue à tresser autant que l'on veut mais sans ajouter plus de mèches. On attache la fin avec un élastique. On ouvre un peu la tresse pour lui donner plus de volume comme toujours. On fait une queue de cheval avec tous les cheveux, là où la tresse racine est finie. On l'attache. On enroule une mèche autour de l'élastique pour qu'il ne se voit pas et on le tient en cachant les pointes dans l'élastique même. On met un autre élastique à la fin de la tresse, c'est pour ça que je vous disais de tresser autant que vous vouliez. Et on enroule une autre mèche autour de cet élastique pour le cacher aussi.
Voilà la coiffure du jeudi finie. On sépare trois mèches sur la partie du sommet de la tête et on les passe vers l'intérieur pour commencer la tresse. À chaque fois que l'on passe une mèche, on en ajoute une autre de juste à côté pour réussir l'effet racine. Quand on arrive à la moitié de la tête, on arrête de tresser et on range la partie du haut si besoin avec un peigne. On attache la fin avec un petit élastique. On prend tous les cheveux qui restent du côté droit et on les torse en les emmenant par-dessus la fin de la tresse. On l'ouvre un peu pour qu'elle ait plus de volume. Et on tient la fin avec un élastique. On refait pareil de l'autre côté. Et on est toute prête. Voilà pour cette vidéo. Comme toujours, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker et à me laisser un commentaire en me disant laquelle de toutes les coiffures a été votre préférée et si vous voulez d'autres vidéos des coiffures, etc. Je vous attends sur Instagram, Facebook, etc. pour partager des choses au quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucune des vidéos que je poste toutes les semaines. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.